Nous évoquerons aujourd'hui la magnifique histoire du prophète Ibrahim, le prophète que l'on imite chaque année en sacrifiant une bête pour la fête de l'Aïd. Restez donc jusqu'à la fin pour savoir cette magnifique histoire et partagez-la au maximum pour que le maximum de personnes profitent de ce savoir. Un jour que le prophète Ibrahim alayhi salam voyait son peuple en plein dans l'adoration des idoles, il leur dit « Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Des paroles lourdes de sens, car ces idoles étaient les choses les plus importantes de ce peuple. Et malgré le gros risque que prenait Ibrahim, il n'a pas hésité une seule seconde à montrer son désaveu de ses statues. À tel point que les gens sont sortis après ces paroles en pensant qu'il n'allait jamais le faire. Lorsque son peuple sortit pour une de leurs fêtes, il leur dit « Je suis malade » et resta donc dans la ville pendant que son peuple s'en alla pour leur fête. En effet, Ibrahim alayhi salam était malade, malade de l'adoration des idoles. Il alla donc vers les idoles pendant que personne n'était là et s'approcha d'elles furtivement en leur disant « Ne mangez-vous pas ?» alors qu'il y avait devant ces fausses divinités des sacrifices en grande quantité que les idolâtres leur avaient préparés. Il leur dit ensuite « Qu'avez-vous à ne pas parler ?» en sachant bien que ces statues ne parlaient pas, ce qui n'empêchait pas les gens de les vénérer. Il prit alors une hache et commença à les détruire jusqu'à saccager le temple et détruire absolument toutes les statues. Toutes les statues, hormis une seule. Il laissa la plus grande et plaça la hache à ses côtés. Le peuple d'Ibrahim revint ensuite au village, content de retrouver leur divinité. Mais à leur grand désarroi, ils les retrouvèrent totalement humiliés. Ces mêmes statues pour lesquelles ils vouaient une adoration démesurée. Ils dirent alors قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Allah nous montre dans ce verset que le peuple connaissait très bien l'erreur dans laquelle ils étaient. Mais malheureusement, leur orgueil et leur rejet de la vérité leur a fait commettre par la suite des actes qui leur vaudront des regrets sans fin, le jour où ils seront ressuscités. Ils ont donc voulu secourir leur divinité, ces mêmes divinités auprès desquelles ils cherchaient faveur et sécurité. Pour punir Ibrahim, tout le peuple s'est rassemblé. Ils ont attaché Ibrahim alayhi salam et ont rassemblé une immense quantité de bois afin que le feu soit attisé. Ils ont alors créé un feu énorme, et le feu atteignait une telle hauteur que si un oiseau passait par-dessus, il serait totalement carbonisé. Un feu tellement violent que les gens qui avaient ramené le bois ne pouvaient même plus s'en approcher. Ne pouvant plus s'approcher du feu mais toujours déterminés à brûler Ibrahim alayhi salam, le diable leur suggéra de le mettre sur une catapulte pour qu'il soit jeté dans ce qu'ils avaient préparé. Avant d'être jeté, Jibril alayhi salam, qui en quelques secondes aurait pu anéantir totalement cette cité, est venu à Ibrahim lui proposant directement de l'aider. Ibrahim refusa. Il avait choisi d'accepter exclusivement l'aide d'Allah, alors qu'il était sur le point d'être jeté dans cet horrible feu. Ils catapultèrent Ibrahim alayhi salam, mais avant qu'Ibrahim ne ressente de la douleur à cause de leur manigance, Allah dit au feu Allah sauva Ibrahim alayhi salam par un miracle que personne ne se serait imaginé. Ibrahim, pour remercier Allah, se prosterna alors même qu'il était dans le feu. Son père, qui assistait à la scène, se dit dans son cœur « Quel meilleur seigneur que ton seigneur, ô Ibrahim !» Et sa mère demanda à Ibrahim de venir à ses côtés. Ibrahim demanda cela à Allah et il fut exaucé. Et tous virent sa mère rentrer dans le feu et y rentrer sans être brûlé. Certaines narrations rapportent qu'Ibrahim alayhi salam est resté dans le feu seulement quelques heures, d'autres plusieurs jours. Et après cette période, Ibrahim sortit du feu. Les gens étaient époustouflés et personne n'osait l'approcher. Malgré qu'ils avaient vu ce qui venait de se passer, absolument personne ne crut en lui, sauf sa femme Sarah et son neveu Lut, alayhi salam. À cette époque vivait Nimrod, un roi injuste qui eut vent de cette histoire et fit appeler Ibrahim qui était encore jeune. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها
فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ibrahim a.s. émigra avec sa femme Sarah, jusqu'à ce qu'ils atteignent une campagne où se trouvait un roi ou un tyran, qui envoya un message à Ibrahim, lui ordonnant de lui envoyer Sarah. Lorsque le roi se trouva devant elle, il se leva avec l'intention de la toucher. Mais elle se leva, fit ses ablutions, pria, puis dit « Oh Allah, si j'ai cru en toi et en ton prophète, alors ne donne aucun pouvoir à ce mécréant sur moi. » Le roi se mit alors à faire une crise et sa jambe trembla violemment. Dans une autre version, à la suite de cela, le roi pensa qu'elle était une sorcière. Pris de peur, il demanda alors qu'on la libère. Sarah reçut ensuite Hajar comme servante, et n'ayant pas réussi à avoir d'enfant, la femme d'Ibrahim lui suggéra d'épouser Hajar pour avoir une progéniture. De cette union naquit Ismaïl, alayhi salam. Et pour finir, nous parlerons de la difficile épreuve qu'ont vécu ces deux prophètes, alayhi salam. Ibrahim, alayhi salam, a longtemps désiré avoir une progéniture pieuse, qui ferait perdurer les enseignements d'Allah. Pour nous rendre compte de la façon dont Ibrahim a.s. était obéissant envers Allah, ainsi que Ismaïl, voyons ce qui s'est passé ensuite. Ibrahim fit un rêve où il se voyait en train de l'égorger. Il en parla avec lui, qui était déjà sage malgré son jeune âge. Ismaïl, lorsque son père lui dit qu'il se voyait en rêve en train de l'immoler, celui-ci dit à son père qu'il était prêt à se soumettre à l'ordre d'Allah, peu importe ce qui devrait se passer. Ils s'exécutèrent donc, et au moment où Ibrahim allait faire ce qu'il avait vu dans son rêve, malgré la terrible épreuve avec laquelle Allah les avait éprouvés, Allah l'appela et remplaça l'immolation qu'il était censé faire par un magnifique bélier à la place de son fils. C'est ainsi que les musulmans sacrifient chaque année, le 10 du mois sacré de Dhul-Hijjah, une bête, comme l'a fait notre modèle Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. était celui que l'on surnomme le père des prophètes, Khalilullah. Jusqu'à nos jours, Ibrahim a.s. est présent dans nos invocations. Chaque jour, nous lui adressons des prières dans la fin du tashahhud. Et même les non-musulmans, lorsqu'ils parlent d'Ibrahim a.s., ils l'associent directement au monothéisme, en nommant les religions reconnues comme monothéistes, les religions dites abrahamiques. Qu'Allah fasse que nous suivions son exemple et que nous mourions sur un tawhid pur. Un monothéisme qui nous permettra d'être pardonnés le jour où les membres d'une même famille se fuiront et où personne ne sera lésé.